Aujourd'hui, on s'intéresse à un concept car qui, franchement, j'aimerais bien qu'il sorte. C'est trop tard, hein, ça fait déjà quelques années. Et d'ailleurs, vous reconnaissez, hein, c'est l'avant d'une C5. Mais de base, quand le concept car a été montré, la C5 n'existait pas encore. Mais franchement, c'est un copier-coller. Sauf que là, bah, vous le voyez, c'est une décapotable. C'est pas un CC, parce que c'est vrai que cette époque-là, il y avait beaucoup de CC, la 206, la 307, tout ça. Là, c'est une capote qui est en toile, qui a comme ça, qui a un effet un petit peu carbone. Mais regardez-moi cet intérieur, c'est juste incroyable. C'est vraiment vraiment très très beau. Le petit levier de vitesse, on dirait du serpent. Et moi je me dis, elle aurait pu sortir comme ça. Elle a vraiment de la gueule. L'arrière, moi je trouve que l'arrière de la C5 a hyper bien vieilli. Il y a un côté germanique avec ses feux un petit peu à la BMW, avec ce coffre qui descend comme ça. Et puis franchement, ce qui est rigolo, alors elle peut plus s'ouvrir, hein, parce que c'est un concept et il fonctionne plus. Mais ici c'était tactile et ça vous permettait d'ouvrir la porte. Moi, grand, grand, grand bravo à Citroën. Il se faisait plaisir à cette époque.